Aujourd'hui, la séance va être très intense, donc je veux que vous vous donniez au maximum. Si vous êtes meilleur que moi, allez-y plus vite que moi. Si vous êtes plus débutant, allez-y plus lentement et faites les mouvements à votre rythme et à votre niveau. Donc n'allez pas aussi bas que moi, aussi haut que moi, aussi vite que moi. Faites comme c'est bon pour vous. Et ce sera efficace à partir du moment où vous vous démenez à votre niveau en fait. Donc ça va durer 20 minutes au total. On va faire 3 circuits de 8 exercices. Et vous aurez besoin simplement de votre corps. Absolument d'aucun autre équipement. Donc même pas beaucoup de place. Hein. Franchement, vous allez utiliser peut-être 50 cm devant, derrière et sur les côtés. Et ça suffira largement. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mis à part que vous allez devoir vous préparer à beaucoup transpirer. Donc une bouteille d'eau à côté de vous, c'est indispensable. Et échauffez-vous avant cette séance. Je vous mets le lien ici si vous voulez vous échauffer en même temps que moi. Ça dure que 4 minutes en temps réel. Et puis bah écoutez, c'est parti, hein. Courage! On commence dans 10 secondes avec le premier exercice. On va faire les squats en X. Donc les jambes écartées. On va commencer avec les bras d'un côté. On descend en diagonale. On va de l'autre côté. On descend en diagonale. On touche. On monte de l'autre côté. On souffle bien. On torsionne bien son torse. Parce qu'on fait comme ça travailler les obliques en même temps. Les jambes le plus écartées possible. On descend le plus bas possible. Les genoux jamais devant les orteils. On étire bien son dos quand on monte. On boit un coup si on a le temps. On part sur un exercice cardio avec des push jacks. Donc jumping jacks, comme ça, vous connaissez comme ça. Et là on va faire un devant, hop. Bien, faire des lunges, les mains au pistolet, au-dessus de la tête, lunge avant, on remonte, on se tourne du côté de la jambe qui est pliée devant, attention à l'équilibre, allez-y aussi lentement que possible. Utilisez bien la force des abdos pour remonter. On va faire des ciseaux et des squats. 1, 2, 3, 4, squat. 1, 2, 3, 4, squat. Jambe droite, lunge arrière, on monte le genou. On essaie de le poser délicatement au sol, le genou.
Si vous pouvez pas descendre aussi bas, le faites pas. Toute la force vient de l'autre jambe ici et des abdos. On est en croise, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au sol, burpee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On tient bon. Dernier exercice. Quatre petits squats. On saute. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Jump lunge, lunge. Avant, twist. Mouvement lent, contrôlé. On est courageux et courageuses. L'autre côté. Dernier exercice. On rigole pas là. Squat. J'ai les jambes en compote.
commence déjà, j'en suis. Heureusement que vous êtes derrière l'écran parce que le caméraman pourrait témoigner, je commence à puer. C'est l'effort, c'est l'odeur de la victoire. Bon allez, on arrête de rire. Plus qu'un circuit et on a terminé. J'ai hâte, c'est quoi le premier exercice? Oui. Allez, on se donne à fond, c'est le dernier. Hop, on touche en diagonale, on twiste bien. On souffle. On descend le plus bas possible, on tourne le plus possible. Pensez au Kamehameha de Dragon Ball. Vous êtes aussi puissant. Et plus on fait ça, plus on a les cheveux jaunes qui poussent. C'est James Bond. Merci Seigneur. Projects. 1, 2, 3, 4. Ah.
Ouais. Fini là. Ouais. Dernier. Marcher, respirer, je vais faire un petit étirement, inspire, je le fais jamais d'habitude mais là je crois que j'ai besoin de reprendre mon souffle donc je vais le faire en même temps que vous. On s'étire le quadriceps. Si vous avez besoin de vous tenir à quelque chose, allez-y. Le genou doit être à la même hauteur que l'autre genou. Et vous tirez la cheville derrière. Le bassin, enfin, vous devez être le plus droit possible. Vous ne mettez pas comme ça. Il n'y a que la jambe qui recule. Reposez la jambe. Vers l'autre côté. On respire bien. Si vous n'arrivez pas à faire ça debout, regardez ma séance d'étirement. Je mettrai le lien quelque part par là. Je fais le même type d'étirement mais au sol. Donc c'est plus facile. Ensuite, vous pouvez vous étirer sur les côtés. Vous mettez comme ça, vous étirez bien l'intérieur de la jambe, aussi longtemps que vous voulez, jusqu'à temps que vous ne sentiez plus de douleur ici. Ensuite, vous allez pouvoir basculer de l'autre côté, faire la même chose. Faites un côté, puis l'autre, vous pouvez revenir comme ça, autant de temps que vous avez besoin. Pour vous étirer les mollets, vous allez mettre un pied devant, l'autre pied à l'arrière. Et vous allez vous pousser vers l'avant en laissant le talon bien au sol et vous avancez. Là, comme ça, vous sentez bien l'étirement dans le mollet. C'est super agréable. Ensuite, vous allez pouvoir faire l'autre côté de la même manière pour bien l'étirer. Super agréable. Cette séance était vraiment intense. Donc, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je transpire beaucoup. Ça m'embête parce qu'en plus je m'étais lavé les cheveux aujourd'hui et là ma tête est trempée. J'ai les cheveux tout mouillés, j'aime pas ça. Mais bon, c'est le prix à payer quand on fait des efforts. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Et je vais pas blablater plus longtemps puisque là je suis complètement HS. Donc reposez-vous bien, vous l'avez mérité. Enfin, si vous n'avez pas fait que de me regarder. Et allez prendre une douche, reposez-vous, mangez bien, surtout mangez après le sport. Et moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao.